mal de Royal Bagne et Falaise, sinon c'est pas ça. L'arrêt rendu par la Chambre sociale s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le 28 mai 2008, celle-ci avait en effet déjà considéré... fait bon. Déjà considéré que les licenciements opérés en 2001 par l'ex-fleuron de l'électroménager étaient sans cause réelle ni sérieuse, car certaines modalités techniques n'avaient pas été respectées. Alors, en première instance... Vous avez touché combien? On n'y est pas encore, mais ça devrait tourner entre 5 000 et 9 000 euros. Il y a 10 ans de bagarre pour ça. C'était venu pour faire la gueule? Et je fais pas la gueule du tout, mais je viens te voir et vous êtes encore en train de parler de vos trucs, là. Bah, une bataille, ça se gagne pas en un jour. Alors, non, était sans cause réelle ni sérieuse. Car certaines modalités... Ils ont pas la télé au château? Non, regarde pas. Ils ont autre chose à faire. Mais s'il y a rien qui te plaît ici, Alice, pourquoi tu viens? Puis tu me préviendrais pas aussi, au cas où tu repartirais sans passer me voir. Faut pas te forcer, Alice, hein, je te demande rien. Si tout est moche ici et que ça te plaît pas, viens pas! Oh, vous êtes chiante! Mais c'est elle qui est méchante. On peut pas parler normalement, bah non, il y a la télé. Vous parlez de vos trucs encore. Je sais pas, vous en avez pas marre? Vous avez pas envie d'ouvrir un bouquin ou d'aller vous promener? Moi, mon père, ça l'a détruit, il avait des rêves, lui. Laisse-moi tranquille. Va continuer tes rêves. En tout cas, c'est pas en nous crachant dessus qu'ils vont se réaliser. Allez, va la voir. Soyez pas bête. Je m'excuse. Tu te rends pas compte des fois de ce que tu balances. J'espère vraiment que ça allait le toucher, l'argent. Ça fait longtemps que vous attendez quand même, c'est vrai. Allez, on oublie. C'est ce que j'ai dit sur mon père, je le pensais pas. Si tu le pensais. Mais faut pas dire tout ce qu'on pense. T'es tellement sensible, comme lui. Alors rien l'agressait, il lui piquait, comme toi tu fais. Je suis fière de toi, Alice. Ça va ? T'as été déçu par la tapisserie? Non. C'est parce que je prends des photos avec Kevin et Manon? Non, pas du tout. Je peux aller sur le balcon de ta mère? Oui. J'ai envie de travailler en diptyque. De photographier les gens chez eux, mais aussi ce qui les entoure. Ou ce qu'ils voient de chez eux. Je sais pas encore. Antoine est là. Tu viens de lui dire bonjour? Il va pas me photographier parce qu'avec la tête que j'ai. Ah non, non, c'est un cadeau. Non, non, c'est une commande. Non, non, c'est un cadeau, j'y tiens. Merci beaucoup, Alice. Je suis très touchée. Et Antoine va bien? Oui. Il bouge beaucoup, là. Il est dans les Alpes. Tu sais, je suis en train de réfléchir au parfum de Mathilde. Ah oui? Oui, bien. Lilas blanc. C'est une fleur pour toi. Nature et douce. Je suis pas si douce. En apparence, oui. Et c'est avec les apparences qu'on se protège. Bonjour. Voilà, c'est bon. Voilà. Okay. C'est très bien, ça. Et tu veux les couper? Ouais, exactement. T'es rentré quand? Ce matin. Tu l'as prise où, celle-là? Chez lui, il m'a invité. On a beaucoup parlé, j'ai rencontré sa femme, ses petits-enfants. Très gentil, ce monsieur. Tu vois? Tu l'as rencontré comment?
Dans un café. Je traîne beaucoup. Un paysage me mène à des gens ou alors l'inverse. Ah, j'aime bien celle-là. C'est ce que je ressens quand je pense à toi. Et c'est de là. Bon, de toute façon, c'est très très bien. Mais je pense que... Vous voulez que j'aille faire des courses? Non, merci, mais moi, faut que je file, en fait, je suis à la bourre, là. Mais tu veux pas que je note un truc? Non, mais vraiment, faut que j'aille. On en reparle, ok? Yes. Salut. Il avait l'air content, Rodolphe. Ouais, je sais pas. D'un seul coup, j'ai l'impression que c'est fumeux. Mais non, je suis sûre que ça va bien se passer. Puis t'as beaucoup de photos, hein. Ouais, les touristes aussi. Mais les tiennes, elles sont bien. Tu m'as manqué. Harold a adoré son écharpe. Il nous invite à dîner le mois prochain, c'est une bonne idée, non? Ouais, on verra si je suis là. Pas le matin. Tu viens dîner avec nous? Non, je vais finir. Passe juste manger un petit truc. Tu finiras chez toi. Non, mais je suis bien là. Je vais à l'opéra ce soir. J'aurais volontiers pris la place d'Antoine. Bon, je vais être en retard. Même si j'avais su que vous étiez là, je serais venue plus tôt. Non, mais je suis passée à l'improviste. Je me permets parfois de déranger Harold. Tu ne me déranges jamais. Au revoir. Embrassera Antoine. Je n'arrive jamais à joindre. Bonsoir.
Merci.